Il t'a sacrifié contre un xénomorphe, c'est raisonnable. J'aurais fait pareil à sa place. Eh hey, salut YouTube, c'est Alien Isolation, la suite. On est dans un scaphandre. Voilà. Est-ce que tu as déjà été dans un scaphandre? Dis-le-moi en commentaire. Ben voilà, l'alien a été éjecté. Mais en effet, sacrifier un humain contre un xénomorphe, c'est pas une mauvaise idée. Bon, il nous reste 4 munitions de lance-flammes, c'est pas mal. Quelqu'un m'entend? On a déjà eu moins. C'est vous? Ouais, Waits. C'est moi, espèce d'enfoiré. Better. Vous m'avez enfermé. Vous avez éjecté le labo dans l'espace. Qu'est-ce que vous croyez? J'avais pas le choix. Oui, c'est pas vous faux. Vous avez vu cette chose? Vous avez vu ce qu'elle a fait? Il fallait que je la sorte de la station. Quel que soit le prix à payer. Ouais. M'utiliser comme un pas. Tout de suite. Me laisser crever. Mais ça a marché, Ripley. J'ai bien fait! Je l'ai eu, cette saleté. Je l'ai largué dans la géante gazeuse. La station est en sécurité. Si on oublie tous les androïdes. Il y a aussi le fait que vous êtes une ordure sans scrupules. Je retourne au bureau. Est-ce qu'elle peut être rancunière? Terminé. Alors voilà, sous prétexte que le mec essaye de nous buter. Parce que c'est bien pratique. Elle est rancunière. On va se méfier des fameuses androïdes, je peux vous aider. Mettre à jour le soudeur ionique. Bon. Eh ben voilà une bonne chose de faite. Quand même. On dit que l'autre ingrate, elle râle. Là, ça m'a l'air d'être tout vide aussi. On peut pas se faire de munitions pour lance-flammes, dommage, ça aurait été quand même bien pratique. C'est pas une si mauvaise idée de t'avoir largué dans l'espace, bah non. Enfin, c'est un coup de connard, hein, mais de connard avec des idées plutôt correctes. Mais on est déjà passé là, hein. Ouais, je connais ça, je connaissais ce coin. Je me disais aussi. Oui, donc plus besoin d'activer ça. Un fusil à pompe! Tiens donc! Fallait pas l'utiliser comme ça, monsieur, hein. Sans ce qu'il fallait tenir. On a 4 munitions de fusil à pompe. Quelque chose me dit qu'on va s'en servir sous peu. Oui, je me souviens de ce hall. Je marche sur des cadavres et je le vis bien. Ah non, il y a Jackie. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons tenté d'utiliser la ruse. Attention, cascade. Je la patte. Et je fuis. Et je fuis. Mec, même en marchant, t'es plus rapide que moi. Encore là. Rétablir le courant. Ah d'accord, c'est la galerie. Ah fait chier, il est de l'autre côté. Bon bah. Désolé. Bon, visiblement, deux balles à la tête, ça suffit. Rien de personnel. C'est pas très l'économie de munitions ici, hein, par contre. Soyons raisonnables, soyons lucides. C'était où? C'était là qu'on aurait dû aller. Putain, j'ai même fait gaffe. J'ai trop occupé à voir Raoul, je te marche dessus. Du coup, j'ai gâché des munitions.
Tant pis. Qu'est-ce que c'est deux balles de fusil à pompe? Dans 5 minutes, ça va être genre putain, mais pas de fusil à pompe! J'entends le délicat bruit d'un point de sauvegarde là. Hein? Bon, je suppose que maintenant il va falloir purger la station de ces saloperies d'androïdes. Ou un truc du genre. Fichtre, ces gens sont nombreux. Pourquoi les androïdes sont hostiles? Parce que c'est de la merde. je sais plus, c'était expliqué au début du jeu, il me semble, mais... J'avoue que j'ai plus l'explication. Oui. Établir le courant des stores de sécurité. Local technique, pardon, c'est par là. Allô? Ah oui, d'accord. Faut le prendre comme ça. Ouais, non, les androïdes, ils étaient hostiles depuis le début parce que je crois que c'était dysfonctionnement, blablabla. Porte fermée. Tiens, soit. Bien, 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 bien. Je joue bien, mais. Des munitions de revolver. Ça peut nous servir vu qu'il y a des humains. Et les humains, c'est comme les aliens et c'est comme les androïdes, on n'aime pas trop ça chez nous. Il va falloir faire preuve d'observation. Porte fermée, oui. Je sais, j'ai vu. Ok, donc par là non. À moins qu'il y ait un conduit que j'ai pas vu là. Non. Ouais, fort bien. Ça soulage un peu de savoir que l'affreux est plus dans le coin, bizarrement. Alors j'ai raté un truc. Probablement. Établir le courant des bornes de sécurité. Du store de sécurité, borne de recharge. Il va y avoir des grilles quelque part pour y accéder. J'y crois. Ou alors il y a un élément d'équipement que j'ai raté. Plus grand ennemi, trouver le bon passage. Ça c'était les cartes, mais c'est bon. Ça c'est fermé.
Bien. Bien, 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 bien. Carburant pour lance-flamme, je prends. Ah d'accord, je peux activer la nettoyeuse. Cesse de me suivre. D'accord, c'est ça qui va passer par la trappe de bidule qui va ouvrir. Et 380 QI, au moins. Putain, mais quel génie. What talent, quoi. Officiellement relégué au rang de détecteur et de robot chiotte. J'ai pas regardé ce qu'on pouvait fabriquer d'autres. Cocktail Molotov, mini-IBM, ça peut-être servir contre les. Explose un impact libérant une impulsion électromagnétique qui neutralise temporairement les synthétiques non industriels. Ça m'a l'air pas mal quand même. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre? Grenade aveuglante, ça va être pour les humains. Bombe fumigène, émetteur de son. Fumigène, lance-flamme, revolver, fusil à pompe. Bon, on va rien fabriquer dans le doute, parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. La meuf qui a la grosse loose qui se fait attaquer par une nettoyeuse. Genre. Oh mon dieu, j'ai été attaqué par un aspirateur. La 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 la. Minuem 2. Récupérer. T'as le raffut qu'elle fait en marchant. Tu m'étonnes que l'alien pouvait la suivre à moitié de la station. Attaqué par une éponge, Spontex. Sans deck. J'ai des problèmes avec ces putains d'androïdes depuis que je suis arrivé. Non, c'est autre chose. Ils ont abandonné leur poste. Je viens d'en voir dans une zone publique. C'est pas normal. Super. Fais gaffe à toi. C'est vrai que ça manquait d'un petit peu de fun, alors autant se taper des androïdes de sauvageons. Là, faut l'accéder au local technique qui est là. On va quand même aller explorer le couloir pour essayer de récupérer des munitions éventuellement parce que je pense qu'on en a besoin. Et de l'éthanol. Au pire, de se beurrer. Rien de tel que se mettre une bonne caisse quand on est poursuivi par des bestioles diverses et variées. Je sais pas si c'est mon retour de son qui plante ou si mon micro capte pas tout et se coupe un peu trop tôt, donc ça me gave un peu, je vous l'avoue. Et je suis circonspect. J'ai l'impression de parler dans le vide la moitié du temps. Les aléas de la technique. Un jour, moi aussi, j'aurai un magnifique micro. Professionnel qui mettra en avant ma suave voix tandis que je raconte de la merde. Wait, c'est Ripley. C'est quoi l'histoire avec les androïdes? Aucune idée. Le changement de statut de l'alerte. Bordel, j'en sais rien. J'essaie de contacter Samuels. L'argent des abonnés d'abord. Oui, bah je vous fais un chèque. Vous avez un PayPal? Est-ce que je peux vous payer en ticket restaurant? Zoup là! C'est le petit ninja du Nostromo. Hop, plaque d'identité. Une balle, c'est toujours ça de prix. Ah oui, là c'est un truc à bourrer. Ah.
Moi qui pensais avoir augmenté tout à l'heure mon nombre de followers de 10%, j'étais bien déçu en voyant que c'était juste des putains de bots. C'était palpable, j'avais la petite larme aux yeux, Elle va se calmer la musique? Ça s'énerve encore une fois tout ça. Hein. Moi je voulais juste savoir ce qui s'était passé avec maman. Oui, j'ai déjà fouillé là. Ça sert à quoi les bots? Je sais pas. Probablement directement ou non à se faire de la thune. C'était peut-être des androïdes de chez Sixon. Oui. De toute façon, je les ai reconnus avec leur petit air de fantomas là à dire j'ai ma bonne, pour votre bien. Tu sais, mais c'est les androïdes, ils sont comme ça, quoi. Faut toujours se méfier. Dans les films, les androïdes, c'est rarement des gentils aussi, de toute façon. Mais pas que dans les films aliens. Oui, donc il faut quand même que je repasse par le conduit, du coup. Donc non, bah, les bots, je sais pas. Je sais pas si c'était vraiment des bots ou c'était juste des mecs qui s'abonnent et qui se désabonnent immédiatement pour que tu les follow derrière en disant « Waouh, trop bien, il m'a follow, je le follow !» Et que du coup, ils te disent « Mon plan de machiavélique s'est déroulé sans accroc. Ces gens m'ont suivi, mais maintenant je ne les suis plus. » Et nous ne sommes donc pas pris dans une boucle infinie de suivage. Coucou, je suis pas là. Oh putain! Et tirez-vous! Je suis calme! Oh putain! Pas par là! On a toujours le temps de fouiller les corps! Ben les androïdes sont méchants. C'est très méchant. C'est pas par là. Pourquoi je prends une voix de blé qui garçon, mais pourquoi pas? Et ah tiens, je suis mort. J'ai même pas eu le temps de voir ce qui se passait. Mais oui, mais de toute façon, le truc du follow and follow, c'est un truc de méchant de Nicky Larson, je veux dire. Tiens, pendant qu'on y est, on va se soigner. Ça me semble une assez bonne idée. Je pense qu'on va en avoir besoin vu que on n'est quand même pas les meilleurs fuyards de l'univers. Maintenant qu'on a vu un petit peu le trajet, ça va peut-être aller un petit peu mieux. À moins que ce soit un peu scripté qui nous tombe dessus dès le début. Ce que je n'espère pas. Mais qui m'a tout l'air d'être le cas. Ouais, non, je suis pas trop. Faut que j'aille où, moi? Retourner au bureau du Marshall. Mais c'est pas du tout de ce côté-là. Si, du coup, c'est derrière Ils moi. sont pas en train de répondre à des violations de propriété. C'est comme s'ils étaient en train de...
Chasser. Chasser qui? Tout le monde. Et personne. C'est-à-dire? Secours. J'espère que c'est par là. C'était pas par là. Je vais vous attraper. J'ai fait exprès de te faire croire que je les follow. Ça devait être par là. Il y a des stores de sécurité qui me barrent la route. Vous pouvez les ouvrir. Wait. Bande d'enfoirés! Salaud de meurtrier! Laissez-les tranquilles! Arrêtez! Vous ne devriez pas être ici. Rentrez d'ici. Bande de salopards! Je crois que Wait se passe un très mauvais moment. Un chemin alternatif, j'ai besoin de parler. Mais ça va pas, non? N'hésitez pas à me demander de comprendre les protocoles de sécurité Sixon. À ça. Cette alerte n'est absolument pas autorisée. Veuillez cesser d'interférer. Ok, donc par là, j'ai plus de munitions et je suis sur le point de mourir. Mais... je me suis fait buter par un humain. Le connard. Le connard! Ces affaires, c'est à moitié perdu en plus. Je pense que ça peut être un bon moyen de fabriquer une mine IEM. D'abord, se faire le détecteur des medikits. Au moins un pour. Ah. Est-ce que c'est pas une bonne idée? Profitez qu'on ait des Toyo. Voilà. Merde, fallait qu'il se retourne à ce moment-là. Alors. Je comprends rien à ce foutoir. Ils sont pas en train de répondre à des violations de propriété. C'est comme s'ils étaient en train de chasser. Chasser qui? Tout le monde. Et personne. C'est-à-dire? C'est pas par là. Dégage. Alors, Colonel Marshall, c'était par là. J'ai besoin de la carte. Il y a des stores de sécurité qui me barrent la route. Vous pouvez les ouvrir. Par où je peux passer, du coup?
enfoiré! Salaud de meurtrier! Laissez-les tranquilles! Arrêtez! Voilà. Au moins, on a un petit peu de temps de réflexion. Boum 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 boum. Cinq balles de revolver. Beaucoup trop d'androïdes aux alentours. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Allez, tourne-toi. L'alerte du confinement du danger a récemment été élevée au niveau Oméga. Veuillez patienter dans l'attente de nouvelles notifications. Au-dessus, du coup. Il y a un humain. Tire-toi. Tire-toi, Jackie. Exterminez-les. Bah, va te faire foutre. On a un intrus. Voilà. Non mais. C'était pas par là. C'était par là. Petite save qui fait plaisir. On se croise un hôtel japonais. C'est pour toi, Zesirb. Ça doit te rappeler des souvenirs. Heist, t'es encore là? Pourquoi on n'a pas eu la jugeote de rester sur la Décidora? Ils m'ont enfermé dans le labo de la tour Systec. Pour l'amour du ciel, viens me chercher. Les ascenseurs sont HS et il y a des cadavres partout. Je suis sûr que je peux l'entendre derrière les murs. Un androïde qui patrouille de l'autre côté. J'appuie sur S en fait. Merci. Il est inutile de vérifier ses papiers d'identité. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez.
Ça, je ne vais pas pouvoir le tuer d'une seule boulette. Allez, barre-toi. Petit message qui veut répondre oui, ayez confiance dans le synthétique, c'est pas du tout de la merde. Nous, on ne ferait jamais des trucs de connards. On n'est pas la Weyland Yutani. On n'est pas dans le même genre. On en est où là? Ouais, trouve un chemin alternatif toujours. Salut Marthe, je suppose que tu as entendu parler du démantèlement de la station, quels sont tes projets? J'ai quelques connaissances qui peuvent me faire entrer en contact pour du taf une fois qu'on sera parti. Je promets rien, mais peut-être qu'on pourra te retrouver un truc aussi. Ils ont commencé à fermer les magasins dans les galeries, ton emplacement était déjà condamné depuis l'année dernière, je compatis à ta perte, on dirait que tu n'as jamais eu de peau. T'as encore des nouvelles de Margaret et des gosses? Peut-être que tu devrais passer les voir quand tu auras quitté Sébastopol. Dis-moi si tu veux que je demande pour toi, Guylen. Blight, il faut qu'on trouve un moyen d'éteindre les concierges automatisés. Il y a un problème de sécurité, à chaque fois qu'ils commencent leur circuit de ménage, il y a un risque qu'ils ouvrent un chemin pour cette chose qui nous pourchasse, ou au moins qu'ils laissent entrer les pilleurs. Aux habitants de Sébastopol, le démantèlement de la station est actuellement en cours d'exécution. Veuillez lire attentivement et retenir ce qui suit. Blablabla, c'est bon. Les gens ont peur. La France a peur. La réserve était pleine. Et par là, ça va pas du tout me mener au bon endroit donc. Ah putain, je t'avais pas vu. Les relous. Je vous déteste. Bien. Le petit clignement d'un point de sauvegarde. Accédons au terminal. Confisquer blablabla, tous les trucs de Marlowe. Une sorte de parasite. Wait, ici, docteur Lingard, blablabla. Ah, mais on est revenu là. On est dans le bureau des marchandises. Je ne l'avais pas reconnu. Je n'ai aucune idée de ce que Sinclair et ses hommes fabriquent, mais ça aurait dû être signalé pendant la quarantaine. Qui sait ce qu'ils ont laissé passer d'autre? La patiente m'attend avec son capitaine dans la salle d'examen. Ramenez-vous maintenant. Ok, on est revenu au bureau des marshals. Pas trop fouiller les alentours. On peut
peut-être trouver de quoi se faire des munitions. Calme-toi, Josette. Faut pas le prendre comme ça. Il y avait du carburant pour lance-flammes, je prends. Des munitions de revolver. Hop. Lui, il est plus là. Là, il y avait rien, il me semblait. Non. Et ben, pour rejoindre l'objectif. Zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip. Il y a un mec. Rip. Rip, ils sont tous morts. Les androïdes les ont massacrés. Pourquoi, putain? Pourquoi? J'en sais rien. Mais Samuels doit le savoir. Samuels? Pourquoi? Waits lui a demandé d'accéder à Apollo. Il faut que je le trouve. T'as vu Taylor ou Marlowe? Non, non. Ils sont pas ici. Très bien. Ricardo? Ricardo, si je pars à la recherche de Samuels, tu peux gérer cet endroit. Tu seras mes yeux et mes oreilles. Hors de question que je reste ici. Ricardo, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières? Ricardo! Ouais. Bien sûr, pas de problème. Reste ici. Verrouille les portes. Ok, j'ai changé d'avis. Occupe-toi de me guider. Je reviendrai te chercher. Trouver Samuels dans Six Zones Synthetics. Oui, ça va pas du tout être le bordel. Emprunter le transit jusqu'à la tour, ok. C'est Ricardo. Au niveau de la map. D'abord, on pouvait pas y aller, c'était fermé. Un android un peu plus. Ok. Ah putain, faire le tour du coup. À peu près. Je vais vous attraper. Oh, bordel. Non, je ne crois pas non plus. Lorenz. C'est lequel qu'on doit prendre, c'est celui là-bas. Là, je suis... Vous êtes un peu nombreux, non? Merde. Oui. Vous allez vous faire mal. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de faire. Ben je me casse, Fantomas. Oui, je suis dans le bon truc de transit.
C'est bien. C'était pas acquis. C'était pas gagné de tomber dans le bon. Mais ça vient mieux. Bah. Ce jeu m'épuise. Vivement qu'on fasse un jeu de gestion gentil. La prochaine fois, on fait un Stardew Valley ou un truc comme ça et on sortira peinard. Oh, bah, toujours à se plaindre, hein. Oui, bah oui, t'as des cadavres. Et alors, il y en a qui ont moins que ça. Si Samuel s'arrive à consulter Apollo, il pourra calmer les androïdes. On en aura enfin fini. Très bien. Contrôle des transits, on s'en fout. Mais c'est où je dois aller? Objectif, pas de... Trouver Samuel dans Six Synthetics. Bah, contrôle les transits du coup. Non, c'est Exode Synthetics, donc par là. Le reroutage, on s'en cogne. Par là, c'est bien par là. Là-bas, c'est là-bas, c'est San Cristobal. Ici, il n'y a rien. Sécurité trop élevée. Bon, ma direction synthétique. Laissez-moi vous aider. Sale bestiole. Alors. C'est ce qu'on appelle dévorer les infos. Comment je monte? Va falloir grimper. Il y a un conduit de service dans le coin qui mène à la cage d'ascenseur. Ok, très bien, très bien, très bien. Heureusement, j'ai la torche à plasmouille pour torcher les plasmouilles. Avec un peu de chance, il est là. Bon, non plus. Accès au terminal. Huit, trois, huit, deux. Et donc c'est par là. Bon, faut espérer qu'il n'y ait pas trop de méchants dans le coin. Tellement pas confiance en cette échelle. Grumpy. Ça sent l'arnaque.
ça sans l'arnaque. Oui. Runa. Eh ben. Ok, donc pas par là. Ah, j'ai pas vu dessus. J'ai en train de me dire, faire forcer la porte avec ta tête. Et ça va être douloureux. Toujours la bonne ambiance dans le jeu. Pack de recharge, visiblement, j'en ai pas besoin. C'est par là. Il y a du mouvement. Ok, il y a des androïdes à terre qui vont me faire des... Je peux vous aider ? Du coup, on se prend des medikits. Voilà. On va en fabriquer un. Hop là. Voilà. Évidemment. Putain, mais ils font perdre masse de vie, même quand ils sont comme ça, quoi. Ricardo, j'y suis. On dirait que les scientifiques viennent ici pour mourir. Enfin, pour mourir. Hein. C'est un grand mot, ils peuvent pas mourir, c'est des scientifiques. Je m'attends encore à de multiples, je peux vous aider. Lui s'est fait arracher la tête. Lui il est encore vivant, mais il va pas bien. Ennemi proche, mais bon, je vis dangereusement. Je suis comme ça, je suis un peu foufou. De sécurité Apollo, c'est plus loin. Ils sont quand même bien défoncés, hein. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je l'ai fait. Ah, mais d'accord, il y a le Secure Transit Apollo là-bas. Du coup, il y a les deux trucs que je dois activer ou désactiver. Je sais plus comment je recharge ma lampe torche. Niveau de confinement pathogène, Oméga, dans la vision d'ensemble, chaque détail, venez ici, s'il vous plaît. Dites donc. Eh ben c'était un bien bel usage de mes munitions. Faut vite t'occuper vu qu'il n'y a plus d'aliens, c'est pas faux. C'est pas faux. Putain, mais je sais plus comment on recharge ma lampe. Fait chier. Non. Ah si, il faut juste rester appuyé sur F. Tiens, j'y arriverai jamais, hein, ce truc. Du coup, j'ai 8 milliards de batteries d'avance.
J'aimerais bien retrouver des munitions. Je pense pas que c'est trop dans le coin, on va le trouver vu que d'habitude il faut quand même qu'il y ait des humains pour que c'est. Les munitions. J'ai piraté par là. C'est toi. 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 Et celui en haut à droite. Là. Cool. Un placard. Fumigène, camelote. Une balle de revolver, avec ça on est bien. Écoutez, ne faisons pas la fine bouche. 1, c'est mieux que 0, toutes les maths le disent. Enfin, bref, quasiment. Ça dépend de quoi on parle, c'est sûr. Genre, je suis sûr que un seul testicule de 20 cm plus gros que l'autre, c'est moins bien que 0. C'est le premier exemple qui m'est venu en tête, ne me jugez pas. Cette porte là est pétée, je peux pas m'approcher. Niveau d'électricité trop élevé. Mais toi je t'ai coupé là. Qui se ferme devant ma gueule, toujours un bon signe. Ah. C'est mes copains. Bien, dans ce cas, je vais trouver un moyen de parler à Apollo. Niveau de confinement pathogène Oméga, toutes les permissions sont annulées. Bon. Je n'ai pas le temps pour ça. Ah ouais. Comme tu y vas. Ah oui! Je vois que tu lèves des mains pendant le testicule. Bah, j'essaie de vous faire réagir, quoi. Tu vois, je me dis, parler de couilles. Forcément, ça devient chat moins de 18 et tout. Putain, le mec, il se fait un Android à main nue, quoi. Jerrican, je te vois. Est-il bien nécessaire de me faire des câlins? Je suis sûr que oui. Samuels. Utilisez le bouton. Bravo, vous avez appuyé sur le bouton. C'est moi, il a bien mieux placé ses stats que toi. Ouais, bah moi j'ai tout mis en discrétion et en fuite. Lui, il a tout mis en force, visiblement. Dis bonjour à les gens. Dis bonjour à les gens. Le plan de ce soir. Suzanne, ma chérie, je vais devoir remettre ça pour plus tard. J'ai reçu des rapports d'en bas au sujet du comportement anormaux de la part des androïdes. Il y a peut-être un rapport avec tous les gens qui disparaissent. Je veux que tu ailles à la salle d'expo et que tu t'y enfermes. Il y a un bouton de verrou près de mon bureau. Ça date de l'époque où ces machines n'avaient encore de la valeur, mais t'en fais pas pour elles, ce sont de simples modèles d'exposition. Reste tranquille, je vais m'occuper de ça et on pourra enfin fêter cette affaire en dehors des heures de boulot. Rendez-vous, salle d'expo. Blablabla. Très bien. Spelling, je m'attends à ce que les VIP arrivent bientôt, alors je veux que tes hommes et toi soyez prêts à les accueillir. L'heure tourne et c'est notre dernière chance de récupérer quelque chose de cette merde. Faut que tes hommes répondent à tous nos caprices. À tous leurs caprices, pardon, à chaque vice, et qu'ils se marrent à chacune de leurs foutues blagues. Emmène-les à la salle d'expo quand ils seront prêts, ne les presse pas et ne les ennuie pas avec ces discours. S'ils disent qu'ils veulent apporter des modifications lambda, dis juste amen. Laissons les têtes d'ampoule s'occuper de sa peau plus tard. J'espère que t'as mis tes meilleurs hommes sur le coup. J'ai mis mon meilleur homme sur le coup.
J'aurais dû prendre dressage d'alien, j'aurais pu essayer de le faire sauter dans un petit cerceau de feu. Pourquoi j'y crois pas du tout à ce passage? Porte fermée. Embêtant. L'ordi ne m'avait pas l'air d'avoir de commande d'activation. Ou alors j'ai encore une fois regardé avec les yeux fermés. Comme chercher en tout. Va falloir que je passe, que je cours au milieu des synthétiques en mode. Pour qu'il s'active et qu'il tente de me péter la gueule. Allez. Trouver une issue. Voilà, c'est une issue, mais ça m'a pas l'air de bien marcher. Il y a des trucs qui font bip bip, mais ça ne sert à rien. Du mélange B. Mais j'en ai déjà plein. Ah, il y a un bouton. Il doit y avoir un deuxième bouton. Attention. Non, surprise. On s'est passé au vert. Je sens que là, les embrouilles commencent. Voilà, comme ça. Ok, Samuel qui est évidemment de l'autre côté. Oh, des cartouches de fusil. Plein de cartouches de fusil. Et un medikit. Et des mines. Et des medikits. Putain. Le jeu est étonnamment généreux avec moi, je le sens pas du tout. Genre, tiens, prends plein de trucs comme ça. On sait jamais, ça peut servir. Peut-être que quelqu'un en reste, non? On en est à une heure d'épisode, YouTube, on va faire une petite pause. Ce qui est d'ailleurs embêtant, la sortie présente une erreur. Vérifiez vos paramètres de streaming et d'enregistrement, je pense que j'ai un problème. J'ai un problème parce que mon disque dur est plein. Donc du coup, YouTube, on va se trouver une autre façon de faire. Je vais devoir retélécharger mon bordel. Je vais me faire vite fait de la place. Je suis désolé, hein, les gens de Twitch, c'est l'instant technique de merde. Vous avez demandé un vrai streamer, ce n'est pas ici qu'il fallait venir. On va faire de la place. Hop.